Salut à toutes, c'est A, j'espère que vous allez la forme pas par ça va au top. Aujourd'hui on se retrouve pour la reprise des enquêtes tant attendues en 2019. D'ailleurs je vous souhaite une bonne année 2019. Oui oui, ça fait déjà deux semaines qu'on est en 2019. Mais je ne vous avais toujours pas adressé mes meilleurs voeux. Donc j'espère que l'année 2009 sera meilleure que l'année 2018 pour vous. Si ça n'a pas été le cas en 2018... Par rapport à 2017, bah en tout cas, j'espère que cette année ça sera le cas, que vous réussissiez à accomplir tous vos rêves, que sur Clash of Clans ça se passe bien, que surtout à l'école également vous réussissez à décrocher tout ce que vous voulez vos diplômes, votre bac, votre brevet, ou même bien plus pour les plus vieux d'entre vous. Et sinon, j'espère que dans votre vie personnelle tout va très bien se passer également. Aujourd'hui, on va donc recommencer 2019 sur des bonnes bases avec la reprise des enquêtes. En tout cas, je suis vraiment extrêmement chaud aujourd'hui de reprendre cette série. Ça fait très longtemps que je la prépare, ça fait très longtemps que je vous demande des achats de clans vraiment ou de joueurs euh, vraiment chelous. Et là aujourd'hui, euh, bien tout simplement, vous m'avez laissé énormément de commentaires sur la dernière vidéo qui est sortie. Donc forcément, ça fait quand même un petit peu de temps, mais il y a eu entre 300 et 400 commentaires, un truc de dingue vraiment. Je pensais pas qu'il y allait y avoir autant de gens qui allaient euh, réagir. Et au final, vous étiez vraiment extrêmement content que euh, la série reprenne Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like d'ores et déjà en début de vidéo si vous êtes content que ça revienne. Et directement, on va donc commencer avec le premier clan. Oui oui, je dis bien premier clan parce qu'il ne va pas y avoir qu'un seul clan, mais bien plusieurs clans. C'est donc le principe et du concept donc du multi-enquête. On va pas se concentrer qu'un seul clan voilà tout le temps à faire la même chose, mais bien sûr plusieurs clans que vous m'avez adressé parce que vous êtes au moins 70 ou 80 à m'avoir donné des clans. Donc c'est vraiment énorme et je ne peux pas faire tout ça en une seule vidéo. Donc euh, déjà si vous avez un clan bizarre ou un identifiant de joueur à me passer, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Mais bien évidemment, surtout le plus important, de me dire ce qu'il y a de bizarre dans ce clan-là. Parce que franchement, moi en fait, à chaque fois, je vois plein d'identifiants, mais je ne sais pas ce qu'il y a de spécial en fait. Et là, certainement, vous allez voir, parce que je n'ai rien préparé pour cette vidéo, vous allez certainement le voir en direct. Et des fois, il y a des choses en fait que je ne comprends pas. Donc du coup, j'ai essayé de prendre un petit peu des identifiants de clan au hasard comme ça. Mais euh, des fois il peut y avoir des clans louches, peut-être que vous trouvez louche et que moi je ne trouve pas louche, ou alors peut-être qu'il y a des trucs vraiment extraordinaires que vraiment voilà, je ne m'attendais pas. Et j'ai vraiment envie en fait de faire ça en live et de rien préparer cette fois-ci pour que justement on voit un petit peu ça ensemble, la première réaction à chaud, etc. Et donc directement on va commencer cette première série. Donc on va donc euh, commencer avec le premier clan. Donc le clan qui a été vraiment vraiment un clan qui m'a impressionné. Donc vraiment je remercie I'm Monster pour ce clan. Qui est donc euh, avec le hashtag suivant, v -O y r 8 pqg Si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Donc le voici. Euh, si on voit déjà euh, le nom du clan, alors c'est écrit avec des caractères vraiment bizarres. Mais j'ai l'impression que c'est Eon Rios. Voilà, je crois que c'est écrit ça. Donc certainement euh, avec un, un accent euh, portugais faudrait le dire, mais moi perso voilà je vais pas me risquer à faire ça. Hein. C'est déjà assez la honte de prononcer en espagnol alors que je ne fais pas d'espagnol. Alors là, prononcer des trucs en portugais, laissez tomber. Bref, il y a 22 membres sur 50 dans ce clan, 7643 trophées. Clan de Vell 5, avec le blason orange et vert, on va donc cliquer dessus. Et là, bien tout simplement, déjà ça paraît assez vide, hein, assez glauque. Certes, les joueurs ont l'air assez inactifs, personne ne donne de trou et personne n'en reçoit. Néanmoins, la description est pleine de carrés euh, remplis de noir, alors je ne sais pas pourquoi, vraiment aucune idée et les trophées requis. Encore une fois, les trophées requis qui sont assez bizarres. Mais là, en fait, vous allez voir un truc. C'est qu'en fait, comme on peut le voir, c'est écrit 85 trophées requis. Donc là, forcément, je l'ai déjà répété 51 fois, c'est le bug euh, que Pep 95 et euh, William c. .C. avaient présenté en euh, 1998. Voilà, donc ça fait vraiment un bail hein, qu'ils avaient présenté ce bug. Comme quoi on peut échanger les trophées car c'est un bug de Cydia ou truc mu, je ne sais pas quoi. Et en fait, là, comme on peut le voir, c'est vraiment un truc de dingue parce que ce l'on louche-là, en fait, ils ont gagné 85 guerres. Et 85 guerres d'affilée les potes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont gagné plein de guerres, mais sans arrêt. Genre ils en ont fait 85, ils ont gagné 85. Voilà, d'affilée. Donc c'est vraiment un chiffre énorme. Et en plus le pire, c'est que ce nombre-là correspond également avec le nombre de trophées requis qu'il faut pour joindre le clan. Donc ça c'est vraiment un hasard fou. Ou alors ça a été fait exprès. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Ok, donc en fait là, euh, d'après ce qu'on m'a expliqué, et eh bien en fait il y a des personnes qui n'ont pas de troupes. Dans ce clan là, alors c'est vraiment assez spécial. On va les faire une par une, de toute façon il n'y en a que 22, donc c'est pas énorme. La première, elle a des troupes. Le deuxième, il a des troupes aussi, mais HDV10 avec des barbares de level 1, donc c'est quand même pas énorme. Ok. Le troisième, il a des troupes, lui, il est normal, c'est un HDV9. Le quatrième, alors lui, par contre, c'est un HDV8, et à part les ballons, il a quasi rien. Alors déjà, il n'a pas débloqué les sorts, et il n'a pas débloqué les troupes noires. Ok, très bien. Ensuite, le 63, qu'est-ce qu'il a lui Alors, lui, par contre, il a débloqué jusqu'au géant. Ok, très bien, bon. <laughs> pas de problème, vraiment des, des gros, gros, gros prématurés quand même. Ensuite, Santo, qu'est-ce qu'il nous dit Alors, lui, pareil, prématuré, rien à signaler. On va peut-être trouver un truc intéressant. Toujours pareil ici, prématuré. Waouh Alors, là, par contre, vraiment, c'est ça ce qu'on cherchait. Comme vous pouvez le voir, c'est un HDV7 qui n'a pas débloqué de troupes. Alors, si, pas de troupes à mais des troupes à elixir noir. Les serviteurs et les chevaucheurs de cochons. Voilà, donc directement, quand on va rendre visite à son village, vous pouvez voir directement euh, que déjà il s'est fait défoncer, mais qu'en plus il n'a vraiment pas de caserne. Donc c'est vraiment un truc de fou, la seule caserne qu'il a, c'est la caserne noire. Il n'a pas de caserne normale en fait. Donc là encore une fois, euh, certains euh, se demandent pourquoi. Alors effectivement, comme euh, le joueur a l'air d'être totalement inactif, on pourrait peut-être se dire qu'il euh, a vendu les euh, casernes lorsque le bug était dispo dans les années 2010 et quelques. Mais après, il euh, y a peut-être d'autres bugs qui ont été réalisés depuis là. Je sais très bien qu'en 2016, il y a eu un énorme bug qui pouvait aussi être réalisé. Et là, franchement, eh bien je pense que c'est à partir de 2016 qu'ils ont réussi à réaliser ce bug. Ensuite, pareil ici hein, pour le numéro 42 qui a débloqué lui aussi que les serviteurs et les cochons. Et pas les barbares ni les archers, etc. Donc toujours les troupes noires, et pas les troupes elixires normales. Donc après, pareil ici pour la HDV8, vraiment un truc de dingue. Voilà donc euh, franchement je sais pas comment c'est possible euh, de débloquer euh, bah, tout simplement aucune troupe à part les troupes noires et de pas passer comme ça par les troupes normales parce que forcément je le redis, hein, je me répète parce qu'il y a quand même eu pas mal de, de villages comme ça mais en fait euh, c'était vraiment chelou du fait que normalement de base quand euh, vous commencez le jeu vous êtes obligé d'attaquer avec des barbares et des sorciers donc les sorciers qui ne sont pas comptés comme débloqués quand vous les utilisez en début de partie normalement vous êtes obligé de construire la caserne de barbares et donc là, quand vous êtes HDV8, forcément, vous devez passer par euh, le petit processus de départ. Et là, malheureusement, bah, il n'a quand même pas débloqué les barbares, donc ça reste quand même assez bizarre. Enfin bref, on va donc aller voir ce village qui est encore plus chelou, qui lui n'a totalement pas de troupes. Lui, il peut pas du tout attaquer, en fait, hein, comme vous pouvez le voir. Il n'a pas de troupes noires, il n'a pas de troupes, il n'a pas de sorts, il n'a pas de héros, il n'a pas d'engin de siège. À part avec le château de clan, il ne peut pas attaquer. On va vite rendre visite à ce clan, voir un petit peu ce qui se passe. Alors déjà assez bizarre quand même déjà il a tous les remparts euh, dans le coin droit ok très bien et en haut aussi bon bref euh, il a une mine d'or level V9 ok alors avec un HDV5 il a une tour d'archer what les archers qui ont disparu ok d'accord ah, peut-être que quand ça a été détruit non je sais même pas si quand ça a été détruit il euh, a plus d'archers je crois que les archers restent quand même là carrément euh, ils se sont barrés les archers ok très bien <laughs> ok ok Rien n'est dans ce clan, hein. vraiment aucun souci. Hein. Donc, euh, bon, pas de problème. Euh, toujours pas de caserne, comme hein, peut le voir, vraiment. Hein. Je voulais faire remarquer, mais il n'y a vraiment pas de caserne. Donc, le camp militaire ici ne sert à rien. Je pense qu'il n'a jamais contenu de troupes, à part les sorciers, en début de partie. Voilà, donc franchement, super clan. Donc, merci à toi, euh, I'm Monster, de nous l'avoir présenté. Ok, donc maintenant, on va faire vraiment euh, bah, quelque chose qui va être fait au hasard. C'est-à-dire que vraiment, je vais prendre parmi la petite liste. Euh, des clans que j'ai euh, notés sur une feuille. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a comme clan On a un clan qui nous a été euh, donné par une personne, un abonné fidèle. Donc on va aller chercher ça directement en live, voilà, tout simplement. Donc c'est U8L9UUGJ. Et donc euh, 50 sur 50, 61 150 trophées, c'est quand même énorme. Et donc ce clan nous a été donné par Alexis. Donc voilà, dédicace à toi Alexis. Donc qu'est-ce qu'il a ce clan alors oui, effectivement, on en avait déjà parlé de ce clan. Je sais plus ce qu'il avait, mais ouais, on m'avait déjà parlé de ce clan. Donc, euh, effectivement, c'est un clan qui est assez chelou, parce qu'en fait, c'est un clan qui est au top level, hein, comme vous pouvez le voir, qui a 61 000 et quelques trophées, donc c'est quand même énormément de trophées. Et au final, en fait, c'est euh, que des comptes qui sont exactement appelés pareil. donc de, de la même manière. C'est peut-être soit une famille qui se gère euh, entre elles, et se sont dit, bon, bah, on va créer un clan un Clash of Clans qu'avec des comptes qui sont nommés pareil, soit à ce moment-là, euh, c'est vraiment un, un énorme euh, quiproquo, mais c'est vraiment incroyable. Donc il y en a, alors attendez. On va compter le nombre de personnes qui euh, ne commencent pas par TST. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y en a que 17 sur 50. Euh, qui ne comporte pas le nom TST. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même 33 euh, des comptes TST. Donc TST groupe est toujours avec marqué un, un chiffre derrière. Donc c'est vraiment incroyable et en plus il donne énormément. Donc si c'est un seul type qui gère tous ces comptes là, je crois qu'il dort pas et que le mec n'a vraiment plus de vie. Mais euh, ouais, franchement c'est assez impressionnant. Donc merci à toi Alexis de m'avoir passé ce hashtag de clan là. Et du coup on va chercher le deuxième que tu, que tu m'as donné. Donc, je sais pas par contre si c'est un hashtag de clan parce que ça me paraît bizarre pour un hashtag de clan. Peut-être un hashtag de joueur, je sais pas. De toute façon, si je me gourre, on ira voir euh, le reste du coup. Donc, voilà le hashtag de. Ouais, non, c'est pas un hashtag de clan du coup. A22GGLRUCO. C'est peut-être un... Ouais, un joueur, peut-être. Ça me dit quelque chose. Peut-être que c'est pour les joueurs. GGLRUCO, peut-être. Mais je... non, je crois pas non plus. Non, ça devait être un clan, mais il a dû être dissous. Ouais, après vous savez, il y a des fois des clans euh, qui sont dissous direct par Supercell. Ça m'arrive des fois d'arriver comme ça en vidéo. Et bam, il n'y a plus rien. Donc du coup, bah tant pis. C'est pas grave. Mais merci à toi quand même, Alexis, pour ce clan. On enchaîne directement avec un autre. Donc euh, UQV89LLP. Donc ça du coup, c'est le clan Bureau. Alors Bureau, ça me dit quelque chose. Et vraiment, euh, voilà. Donc merci à toi, MSP. Terry Huis, voilà, il faut quand même bien prononcer parce que c'est vraiment chaud à prononcer ton pseudo, mon gars. Donc, du coup, euh, bureau Shintok, je sais pas du tout ce que c'est, en tout cas, c'est des signes chinois, peut-être coréens ou japonais, j'en ai aucune idée. Avec le signe de derrière, 45 membres sur 50, 2104 trophées, et ça, ça me rappelle vraiment les enquêtes de l'ancien temps. Quand je dis ça, c'est parce qu'en fait, ça me rappelle vraiment bureau à dash, euh, tout ça, couteau, tous les clans comme ça, ça a vraiment l'air d'être un clan comme ça. Donc, du coup, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a là Ok. Donc du coup euh, rien de spécial au niveau euh, bah, simplement des paramètres de clan. Au niveau de la description, alors qu'est-ce qu'il nous a dit J'ai fait tourner euh, quoi Do à ah, iOS et Windows 3.1 sur une 8 MDR. Sinon au lieu de coder, on est de retour. D'accord. Donc en fait le mec a l'air d'être euh, bon, on va dire un bon informaticien. Il a l'air de s'y connaître en ingénierie au niveau de l'informatique. Ok, très bien. Bon, why not? Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce clan? Donc, il y a Dragonator, Monsieur Dream, Monsieur Dream 2, ok, d'accord. Donc, en fait, le mec a deux clans. Enquêteur U, Enquêteur K, Enquêteur T, Enquêteur Sigle Bizarre, Enquêteur 5, ok. Oula, il y a Tueur aussi. Il y a beaucoup d'enquêteurs avec des lettres différentes, des chiffres différents, même. Il y a même des chiffres, ok, très bien. Euh, Monsieur Dream, le BG. Donc, du coup, on a compris que c'était toi qui avais créé ce clan, Monsieur Dream. Je ne sais pas du tout qui tu es. En tout cas, voilà, je serais ravi de faire ta connaissance si c'est possible. Et donc là, du coup, c'est quand même un truc incroyable parce qu'il a quand même des clans de level 1. Et là, vraiment, je sais pas si vous le savez, mais normalement, on n'a pas le droit sur Clash of Clans d'avoir des comptes de level 1. Parce qu'en fait, quand vous, tue fin, quand vous terminez le tutoriel, ouais, c'est bien si je mets les mots dans l'ordre. Quand vous terminez le tutoriel, normalement, vous êtes déjà passé au level 3 minimum. Et donc là, du coup, euh, c'est bizarre quand même qu'il y ait du coup des clans de level 1. Enfin bref, donc du coup, il y a Terroriste Dream. On va rendre visite un petit peu à... À des comptes et là, ouais, effectivement, il est passé level 4. Donc, ça, c'est vraiment un clan hyper récent. Donc, il a daté d'il y a euh, moins de deux, deux semaines, je pense. Hein. Franchement, un truc du genre. Donc, du coup, il y a vraiment que des, que des clans de level 4 comme ça. C'est vraiment bizarre. Level 3, ici, un hein, level 3. Ouais, ici, un hein, level 3. Ok, un level 3. Donc, du coup, comme je vous l'ai dit, hein, vous êtes obligé d'être level 3 quand euh, vous avez terminé le tuto. Donc, voilà, vraiment, c'est encore une fois des villages qui ont été créés et après qui ont été euh, laissés à l'abandon. Bon. C'est on va dire vraiment vraiment normal quand il y a toujours la même chose, c'est-à-dire des, des clans comme ça, enquêteurs, etc. Bref d'ailleurs je tenais à terminer cette vidéo, donc cette première reprise, notamment euh, en demandant aux abonnés, c'est-à-dire en vous demandant à vous de ne plus aller agresser les gens de France morte ou des trucs comme ça, je ne sais plus quel clan, je crois que c'est France Morte, parce qu'il y a toujours un mec qui vient se plaindre comme quoi il y a des gens qui même trois ans après viennent toujours dans le clan insulter. Alors que bon, ce clan, c'est quand même longtemps que c'est terminé avec les enquêtes, quoi. Ça fait quand même déjà au moins 2 ou 3 ans. Donc du coup, il y a vraiment, vraiment plus de soucis à se faire par rapport à ça, les potes. N'allez plus insulter les gens. Vraiment, ça sert à rien de propager la haine comme ça. Vraiment, on fait ça poser. Si vous avez envie de faire un débat dans les commentaires, il n'y a pas de soucis. Vous voulez m'en parler en MP sur Instagram, il n'y a aucun souci également. Mais de là aller s'acharner sur des gens sur Clash of Clans, il n'y a vraiment pas lieu d'être. Voilà. En tout cas j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me bombarder les commentaires d'hashtags de clans, d'identifiant de joueurs vraiment chelou, à me dire ce qu'ils ont de bizarre. Je vous laisse faire ça dans les commentaires. Sur ce, je vous la prochaine, portez-vous bien. En attendant, bye bye.